perfection, c'est Paille. Bah oui, Paille. Perfection imparfaite. Je voulais changer un peu mon intro et tu me casses comme ça, direct. Ah bah ça fait plaisir. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais absolument vous parler de ce que j'ai fait ce week-end. J'ai un peu repoussé mes limites et j'ai participé à la Zombie Run. Quoi ? La Zombie Run. Le concept est super simple. En fait... Oh non ! Ils m'ont retrouvé. Ils arrivent ! Fuyez ! C'est une course d'orientation, donc on a des petits poinçons à faire, agrémentés de petits zombies par-ci par-là qui peuvent te bouffer. Ah. Le but du jeu est de faire les 5 km du lac en trouvant les différentes balises sans se faire bouffer nos deux vies. On a deux fanions de part et d'autre de notre splendide corps que les zombies peuvent attraper. 5 km et tu les entends crier. Alors comme tu peux le voir, moi j'étais un zombie. Et je pense que je ne ferai jamais de survivant d'ailleurs parce que je flippe ma race. Ça s'est passé au lac de Tremelin en Bretagne. Alors en tant que zombie, j'étais avec un petit groupe, c'est-à-dire mon chéri et un pote, planqué à des endroits stratégiques. Et le but était que dès que quelqu'un arrive, tu lui sautes dessus en grognant. Le mec, il flippe sa race, c'était trop drôle. On aurait dit des poulets qui commençaient à courir un peu partout, c'était trop drôle. Évidemment, ça se passe le soir pour avoir un petit peu plus de flippettes. Et c'est super marrant. Cependant, j'ai été pas mal mitigée, notamment l'organisation, c'est de la grosse dose. C'est-à-dire qu'en tant que zombie, tu es censé venir à 4h au lac. Donc, il t'envoie un message un jour avant pour te dire où ça se passe, histoire que le suspense soit total. Sauf que on était 70 pelos. Pour 4 maquilleuses. Donc au bout d'une heure, je commençais à en avoir marre. Au bout de 2 heures, j'étais au bord des nerfs. Au bout de 3 heures, mais là tu me parlais, je t'envoyais bouler, mais un truc de malade. L'organisation était de la daube totale. Donc ça, et je leur écrirai d'ailleurs un petit message. L'année prochaine, si je la refais, je passe pas par la case maquillage. Parce qu'attendre 3h30 pour un make-up fait en 10 minutes, t'as un petit peu les boules, tu vois. Un petit peu le boule, mon pote. Quoi qu'il en soit, une fois maquillée, alors j'avais un peu ce style là, je vous mettrai les photos si elles sont sorties d'ici là. Une fois maquillée, tu es stockée dans des zones, donc imagine le lac de Tremelin. C'est un magnifique lac avec des korrigans, la fée Morgane, l'enchanteur Merlin, bref, que du petit beau monde. Qui est découpé en 5 zones, zone jaune, verte, rouge, orange, en fonction des kilomètres. Pour ma part, j'étais à la zone verte. Donc le mec qui m'a envoyé un petit coup de boule, c'était moi. On se repart à la fin. Tu arrives sur ta zone, tu n'es pas censé t'en aller de cette zone, c'est ton territoire, ouya. Et lorsque des survivants arrivent, tu essaies de leur choper leur vie. Donc la course, par contre, ça a été super sympa. Pour nous zombies, ça a duré 3h30. Pour un humain lambda, ça a duré 1h, 1h30 en fonction des 5 km à faire, plus le temps de trouver les balises. Donc pour ma part, je trouve que ça vaut plus le coup d'être un zombie, parce que vraiment, tu participes de A à Z à cette course. Et tu vois les gens flipper, c'est tellement drôle. Ils se mettent à courir de ci, de là. Oh mon dieu, des zombies. Sauf alors certains qui t'insultent, ça fait plaisir. L'espèce de salope là. Écoute, c'est un jeu. Si tu voulais pas jouer, si t'es mauvais joueur, ben tu viens pas tout simplement. Et tu nous insultes pas. J'ai reçu quelques coups dans les bras parce que lorsque j'arrivais pour attraper leur fanion, il y avait certains mecs qui me donnaient des coups, genre, non mais rien à foutre quoi les mecs. Ça, évidemment, ce n'est pas la faute des organisateurs, ils ne peuvent rien y faire. S'il y a des abrutis finis, c'est un petit peu leur race humaine. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Pendant 3h30, j'ai couru, donc je te dis pas les petits mollets d'acier, dans la nuit noire et obscure. Mais ça a été pour moi une super expérience et je pense que l'année prochaine, si c'est encore près de ma région, je le ferai. Et toi, que veux-tu être? Un survivant?
ou un zombie? Dis-moi tout ça en commentaire. Et par contre, à la fin de la course, donc après avoir couru 3h30, bénévolement, j'ai même payé pour courir, normalement, il y avait un petit concours en fonction du nombre de fanions qu'on avait attrapés. Pour ma part, j'en ai attrapé peut-être 50, ce qui est un très bon score. Et finalement, ils n'en avaient rien à battre. C'est-à-dire, t'arrivais, tu foutais tes fanions là, et puis hasta la vista. Ce qui est très dommage, ils auraient pu faire genre tous les zombies se retrouvent ensemble pour discuter, pour parler d'un peu notre ressenti, tout ça, en tant que mort vivant. Que dalle. Donc du coup, il était 1h du matin, au lieu de faire la java toute la nuit, bah on est rentré. C'était bien dommage. Les mecs nous disaient ouais, restez pour les photos, sauf qu'après 3h30 de course, c'était gentil, mais bon, il reste plus grand chose du make-up. Donc en conclusion, niveau organisation, il y a encore beaucoup de boulot, les gars. J'ai cru que j'avais fait tomber une dent, mais je ne crois pas. C'est-à-dire faire un petit truc à la fin pour les zombies, ne pas nous laisser poireauter 4h30 au soleil. Heureusement, il y a un petit hypnotiseur qui est passé par là, ça nous a fait tuer une heure. Et à la fin, il serait bien de faire ce qui était prévu, c'est-à-dire l'espèce de petit concours entre zombies, entre celui qui a le plus attrapé de fanions, et de s'occuper un peu de nous. On a besoin d'être rassurés, d'être, voilà, caressés dans le sens du poil. Alors que les survivants, donc les humains, eux, avaient le droit à une petite photo avec des zombies qui, eux, n'avaient pas couru, qui étaient tout frais, tout propres, tout ça. Mais de l'autre côté, la course a été vraiment super. Donc, voilà, c'est vraiment un bilan mitigé. Dites-moi votre expérience de cette zombie run si vous y avez participé. Encore une fois, est-ce que ça sert de te dire de t'abonner, de commenter, de partager? Je pense que t'es pas débile. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!